Salut à tous, c'est Tonton. Alors, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Farming Simulator. Donc, on va euh, continuer les tutos et on va continuer surtout euh, bah, tous les menus en fait. Hein. Donc, euh, menu suivant. Alors, on a vu la dernière fois le, le premier menu, hein, c'est-à-dire celui des filtres, hein, qui est euh, hyper important. C'est celui qu'on utilise, je pense, le plus. Donc, ensuite, on a euh, le menu des ouvriers actifs. Alors, le menu des ouvriers actifs, il y a deux choses à savoir globalement dessus. La première chose c'est que si vous avez des ouvriers qui sont en train de bosser dans les champs, vous les verrez à ce niveau-là. Vous verrez les, le, le gars en train de faire des allers-retours sous la forme d'un volant. Euh, mais en plus de ça, et ça c'est un gros 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 ajout, une belle nouveauté du jeu, euh, vous avez possibilité en fait de donner des ordres. Euh, à, vos, à vos ouvriers directement à partir d'ici. Donc pour le faire, bah, c'est simple. Là par exemple, je viens de cliquer sur la voiture. Et donc, on va zoomer hein, pour... Euh, voilà. Et donc moi, je vais dire à la voiture qu'elle avance. Donc on va lui dire d'aller ici. Et de se tourner, euh, par exemple, dans cet axe-là. Hop. Donc là, l'ouvrier, il est en train de, de chercher. Alors a priori, il ne peut pas le faire parce que je pense qu'il est trop... Euh, il doit être coincé. Alors ce qu'on va faire, on va, on va prendre un tracteur. On va aller le... On va prendre ça, on va prendre ce tracteur là. Est-ce qu'il est attelé Non, il n'est pas attelé. Il euh, n'y a rien devant. Non, je crois pas. Je vais vérifier quand même qu'il n'y a rien devant. S'il y a une, une masse, donc on va prendre la masse. Là, voilà, on va déposer ça. Voilà. Et donc... Par exemple, ce tracteur, je vais lui demander d'aller m'attendre sur la route. Voilà. Ou par exemple, je veux aller euh, voilà, qu'il aille me chercher quelque chose au magasin. Donc le magasin est ici, hein, sur cette map. Donc hop, je vais euh, lui dire d'y aller. Et je vais lui dire tu vas euh, par exemple ici. Parce que pour pas qu'il aille se paumer dans les trucs, je vais, lui, je vais le laisser sur la grande route. Et je lui dis, bah voilà, je veux que tu sois là-bas dans cet axe-là. Et là, il y a... Euh, donc on voit le volant hein, qui est apparu sur le tracteur. Et on voit mon ouvrier qui est en train de prendre le tracteur. Donc si on revient dessus, ben voilà, on voit. On voit l'ouvrier faire le, faire le travail. Alors je sais pas s'il va savoir éviter. Non, il ne va pas éviter. Est-ce qu'il va savoir éviter ça Je ne suis pas sûr. En fait la moissonneuse va le gêner. ce ben, c'est pas grave. On va, euh, on va faire un autre truc en ce temps-là. On va prendre la moissonneuse. Voilà. On va l'atteler. Je, je suis dans le tuto donc forcément ça va pas. Voilà. On va atteler la moissonneuse. On va la mettre en route pour dégager la place. Hop. On va toujours déplier la moissonneuse avant d'utiliser. Hein, sinon vous pouvez pas. Ça par contre je voudrais qu'il arrête. Il faudrait que je les enlève. Donc. Donc, je déplie. Je la mets en route. Donc là, je vais la faire avancer un petit peu, et après, je vais demander à mon ouvrier de le faire. Normalement, j'ai laissé la place, alors du coup, il bosse pas, lui, c'est pas grave. Alors pour mettre un ouvrier en route, on a plusieurs options. Une des options, par exemple, c'est d'appuyer sur H quand on est dans la moissonneuse, par exemple, pour la faire travailler. Donc j'appuie sur H, et maintenant, c'est l'ouvrier qui travaille à ma place. Voilà. On va se faire un petit peu. Lui, on va lui redonner un ordre, du coup, puisqu'il s'est retrouvé bloqué. Hein, donc, euh, il a fini par abandonner l'idée d'aller là où on lui a demandé. Hop. Voilà. Donc, je recommence. Aller vers. Et aller ici. Dans cette position-là. Voilà. Donc, là, il va reprendre son trajet. Il est plus gêné. Donc, il reprend son trajet. Il n'y a pas de souci. Hop. Nous, pendant ce temps-là, on va retourner sur la moissonneuse. On va faire ça. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon ouvrier. Je vais enlever la moissonneuse de l'endroit où elle est. Je vais la mettre là, par exemple. Comme ça, sur la route. Voilà. Et là, maintenant, la moissonneuse... Je vais lui demander, en fait... Euh, donc, je suis sur la moissonneuse. Hein, et je vais lui demander de, de créer... Je vais créer une tâche, en fait. Donc, je voudrais qu'il fasse le champ 45. Donc, je vais lui demander... Alors, je peux lui demander de travailler le terrain ou d'aller quelque part. Donc, on va lui dire de travailler le terrain. On va sélectionner le terrain. Et on va lui dire de démarrer la tâche. Alors, donc, la position cible, elle est là. Est-ce qu'il va me laisser la faire On va voir. Hop là Donc, j'ai dit de le faire dans ce sens-là, puisqu'il l'a déjà fait dans l'autre sens. Hein. Et je fais démarrer la tâche. Donc, là, on va vérifier que tout aille bien. On route vers le champ, pourquoi il y va pas. Donc annuler la tâche. Créer une tâche. Ah, c'est la... Bah non, c'est la, bien la top liner, c'est bon. Travailler le terrain. On va lui demander... Alors je vais la mettre carrément dedans. Démarrer la tâche, est-ce qu'elle y va Oui, il fallait peut-être que je clique simplement dans le champ. Donc on va vérifier ce qu'elle fait. Alors j'utilise pas les ouvriers habituellement hein, sur mes parties solo. Donc on va regarder si elle travaille ou pas. Est-ce qu'elle va aller se mettre clairement dans le truc. Alors je pense que je ne devais pas être sur le champ, je devais être à côté du champ. Voilà. Elle se met au travail. Donc elle se met au travail en plein milieu à l'endroit où je lui ai dit. Il aurait fallu je pense que je zoome pour aller vraiment au bord du champ. Mais voilà, on peut en fait de la carte donner des ordres aux ouvriers. Et ça c'est un gros gros plus. Parce que euh, bah, ça permet en fait, d'avoir une vue d'ensemble hein, de la zone, euh, chose qu'on n'avait pas du tout avant. Avant, euh, quand on jouait à farming, euh, bah, il fallait être dans le, dans le tracteur, aller au champ qu'on voulait et faire travailler. Là, on a possibilité, en fait, euh, moi par exemple, je m'en sers de temps en temps, quand j'ai besoin de me ravitailler, je suis en train d'épandre un champ, euh, bah, j'envoie un deuxième tracteur avec, euh, avec une fourche à l'avant et je l'envoie au magasin, j'achète la, la, la palette dont j'ai besoin, euh, j'envoie le tracteur au magasin. Hop, une fois qu'il est au magasin, je charge la palette et là je lui dis de, me, de revenir jusqu'à moi et en général il me ramène enfin en général, il me ramène la palette et du coup après euh, voilà je reprends le, le boulot tranquille quoi. Voilà donc là l'ouvrier travaille. Bon on va arrêter puisque c'est pas le but. Hein, le but c'était juste de montrer euh, le fonctionnement du truc mais voilà on a vu que ça marchait. Alors tous les travaux on peut pas faire faire tous les travaux par nos ouvriers hein, bien évidemment il y a des travaux que les ouvriers ne feront pas. Donc là on voit que le tracteur est arrivé là bas. Euh, et on voit qu'il est euh, dans, la, dans la bonne position, comme je lui avais demandé. Hein, il est face au, au garage directement. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. Hop là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. C'est celui-là, voilà. Alors ensuite, donc ça, c'est l'onglet pour les ouvriers. Ensuite, on a cet onglet-là. Alors ça, c'est un onglet qui est extrêmement important dans cette nouvelle version, puisque dans cette nouvelle version... On a euh, le mode saison qui a été intégré au jeu, euh, qui a été, je trouve, très bien intégré d'ailleurs. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que au démarrage de base, le jeu vous met les saisons actives et les saisons. Donc chaque mois dure un jour. C'est-à-dire, qu'en gros, je vais aller me coucher, on sera au mois de septembre. Je vais aller me coucher, on sera au mois d'octobre, etc., etc. Il y a quinze jours par mois. Mais euh, au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir... Là au début on n'a que trois champs, on n'a pas beaucoup de boulot à faire, donc on peut tout à fait rester sous cette forme-là et rester à un jour par mois, ce qui fait que ça permet d'aller très très vite. On, une fois qu'on a fini les semis... Hop, on va, euh, on va aller dormir, on va pouvoir très rapidement aller jusqu'aux récoltes, récolter, etc., etc. Donc ça va permettre d'aller très très vite euh, dans les saisons et permettre de, de dégager rapidement des profits et de pouvoir rapidement agrandir sa ferme. Quand on commence à avoir une ferme assez grande, ou qu'on commence à avoir beaucoup de boulot, euh, bah là on va pouvoir augmenter le temps. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir euh, un, un jour par saison, on va pouvoir en mettre deux puis 3, puis 4, puis le nombre qu'on veut en fait hein, de 1 à 30 jours. C'est-à-dire qu'on peut littéralement jouer en temps réel. Hein, C'est-à-dire si on n'accélère pas le temps, bah en fait on aura 30 jours par mois, donc à peu près pareil que dans la vraie vie, et on aura, euh, puisque dans la vraie vie ça évolue, hein, je, vous le, je vous le dis, mais bon. <laughs> et donc en fait on aura 30 jours par mois. Et euh, en temps réel, on peut jouer en temps réel si on le souhaite, ce qui fait que littéralement on pourrait réellement planter, euh, genre un vrai, un vrai fermier il pourrait aller planter un champ de betteraves, venir planter le champ sur farming, et quand il ira récolter ses betteraves en vrai, il pourra les récolter sur farming. Je schématise un peu, mais pas beaucoup. Hein. Donc euh, globalement, voilà, on peut aller très très loin. Bon, c'est pas le propos du tout, mais euh, ça c'est très important. Alors comment ça fonctionne Ben en fait, en vert, donc on a ici à gauche les différentes ressources, donc là par exemple le blé. On a ici les mois avec printemps, été, automne, hiver, et on a ici un trait bleu qui indique à quel moment on est. Donc en fait, ce trait va indiquer euh, le mois, mais aussi le jour dans lequel on est. Alors là, mes mois font un seul jour, donc le trait est sur le, le mois hein, tout simplement. Mais si mes mois faisaient plusieurs jours, bah ben en fait, le trait va avancer tout au long des journées que je vais passer. Le trait va avancer euh, ici au niveau de au niveau du mois au fur et à mesure des jours. Hein. Donc, globalement, si je plante mon blé, alors les périodes de semis sont en vert et les périodes de récolte sont en jaune. Donc, si je plante mon blé en septembre, il sera prêt à récolter en juillet. Si je plante mon blé en octobre, il ne sera pas prêt à récolter en juillet. Il sera prêt à récolter en août. Donc, ça, c'est hyper important. Euh, N'espérez pas planter votre blé en octobre pour le récolter en juillet, ça marchera pas. Hein, si vous voulez une récolte de quelque chose en, au mois de juillet, euh, par exemple pour le blé, vous le voulez en juillet, il faut le planter en septembre. Si vous plantez en octobre, c'est mort. Si euh, pour l'orge, vous voulez une récolte en juillet, pareil que votre blé, il faut pas planter votre orge en septembre, faut la planter en octobre. Ça veut dire que si je plante mon blé en septembre et mon orge en octobre, j'aurai les deux à récolter en juillet. Le blé en juillet, l'orge en juillet. D'accord? Donc, ça, c'est très important de bien comprendre ça, c'est-à-dire que les deux, euh, les deux mois de semis-là, c'est pas je sème en septembre ou en octobre et je récolte en juillet ou en août, c'est si je sème en septembre, je récolte en juillet, si je sème en octobre, je récolte en août. D'accord Votre blé sera pas mûr, enfin, votre fruit sera pas mûr euh, au mois d'août, enfin, euh, au mois de juillet, pardon, si vous l'avez semé en octobre. Voilà, c'est très très simple. Euh, donc c'est pareil pour tous, Donc vous voyez qu'il y a des produits qui vont se semer à l'été, hein, globalement, enfin été-automne, et il y a des produits qui vont semer au printemps. Donc par exemple si vous voulez cultiver l'avoine, ben, en fait vous savez que vous ne pourrez pas le semer en même temps que vous allez semer votre blé et votre orge par exemple. Il va falloir attendre, passer l'année et hop, en mars ou en avril, vous allez planter votre avoine. Donc ça c'est très important. Le cas particulier, enfin les cas particuliers sont en bas. Alors je vous parle pas des peupliers, j'ai pas du tout essayé. A priori tout le monde me dit que c'est une plaie, donc bon, je serais tenté de vous dire oubliez-les. Euh, donc les peupliers, alors pourquoi ils apparaissent là Parce qu'on peut faire de l'ensilage avec les peupliers. Voilà, je savais pas qu'on pouvait. J'ai appris ça dans le jeu. Euh, donc pour l'instant j'ai pas essayé, je me suis pas penché dessus. On fera un, un tuto, je pense, spécifique dessus quand j'aurai essayé. Euh, L'herbe, bah, elle se plante quasiment toute l'année. Euh, sauf l'hiver et l'hiver en fait l'herbe elle revient à un niveau elle est pas elle n'est pas prête à récolter enfin je veux dire euh, elle se elle revient en arrière c'est à dire que même si votre herbe était prête à récolter en novembre et eh ben au mois de décembre elle sera plus au, me au meilleur niveau en fait si vous ne l'avez pas récoltée en novembre au mois de décembre elle va reculer d'une phase euh, puisque ça symbolise le fait que les végétaux s'endorment un petit peu en hiver donc euh, voilà donc ça c'est la raison pour laquelle en hiver il n'y a rien en fait en termes de, 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 de plantation donc en gros l'herbe, vous allez pouvoir la planter toute l'année et elle va pousser progressivement, elle peut être récoltée assez vite, on n'est pas obligé d'attendre pour l'herbe qu'elle soit complètement poussée. Maintenant, plus vous allez attendre, c'est-à-dire si vous attendez vraiment que votre herbe soit prête à récolter, vous aurez beaucoup de rendement. Si vous récoltez plus souvent, vous aurez euh, moins de rendement. Donc l'idéal c'est quand même de planter son herbe et euh, d'aller la récolter à chaque fois qu'elle est au plus haut, le but étant d'avoir le meilleur rendement possible. Pour les radioléagineux, donc ça c'est un gros cas particulier, en fait les radioléagineux servent à, à fertiliser vos champs. Donc le principe du radioléagineux, c'est que vous allez le semer, par exemple si je sème en mars, eh bien, je, peux, je peux le récolter, c'est-à-dire le travailler en avril. En gros, ils ont besoin que de un mois. Il n'y a pas besoin de, de plus. C'est-à-dire que il n'y a pas la notion "je plante en mars et je récolte je ne sais pas à quel moment de l'année". Euh, voilà. Non, en fait, dès que vous plantez votre radis, le mois d'après, vous pouvez travailler votre radis. Donc c'est hyper intéressant puisque ça permet, par exemple, euh, pour euh, pour des cultures comme euh, comme le blé ou l'orge, pourquoi pas, ou le colza. Euh, ben en fait, si vous arrivez à faire une récolte en août, euh, enfin ou, en, ou même en juillet. Je veux dire, par exemple, je, je plante du colza en septembre. Je vais donc le récolter en août. Tout de suite après ma récolte, je vais planter du radis oléagineux. Et bien en fait, le radis oléagineux sera prêt à récolter entre guillemets en septembre. Ça veut dire qu'en septembre, je vais travailler ma terre avec le radis, hein, je vais recultiver. Donc le radis va rentrer dans le sol, va fertiliser mon sol, et je pourrai semer en septembre mon colza dans le même champ. Donc le radis, en fait, le, le mois de la récolte, vous pouvez ressemer du radis et le mois d'après euh, faire la récolte. Si par exemple je sème du blé en septembre, je le récolte en juillet, je sème du radis en juillet, je le, je le travaille en août, je ressème du radis en août, je le travaille en septembre, je sème mon, mon blé en septembre, euh, j'ai euh, mon blé qui va pousser au maximum de ses possibilités, en fait. Mon blé va être complètement... Euh, euh, comment euh, complètement prêt à pousser. Voilà. Il, enfin, euh, il va être complètement fertilisé. Donc en fait, pour euh, par exemple le blé ou l'orge, euh, on arrive à passer deux fois euh, du radis avant de ressemer. Pour le colza, c'est plus difficile puisque malheureusement, le colza, si vous le plantez en août, vous le récoltez en juillet, ça veut dire que si vous voulez replanter votre, votre colza en août, vous n'aurez qu'une seule phase. Vous ne pourrez pas faire deux fois du radis. Voilà. Donc il y a, y a des cultures qui se marient très bien avec le radis. Euh, C'est le cas aussi, par exemple, pour toutes les cultures comme le maïs, le tournesol, le soja, etc. Toutes ces cultures qui vont avoir un semis euh, au printemps. Et eh ben en fait, on arrive assez facilement, par exemple, à récolter en novembre. Euh, on peut pas, en fait, le radis n'est pas disponible à partir du mois de novembre. Donc si on a passé notre, enfin fait notre récolte en novembre, on va pas pouvoir s'en occuper euh, jusqu'à la fin de l'année. On va donc on a semé en novembre. tout ça veut dire que on va récolter en mai. Euh, non pardon, je dis une bêtise. On a on a semé en mai, par exemple. Donc on récolte en novembre. Du coup on laisse passer les trois mois d'hiver et au mois du au premier mois du printemps en fait, en mars, on peut planter le radis une première fois, planter le radis une deuxième fois en avril et on aura fertilisé notre champ. Voilà. Donc c'est possible en fait de le faire pour toutes ces cultures là parce qu'on a possibilité de planter du radis en mars. Euh, une première fois. Euh, D'ailleurs, on ne pourra pas le faire pour toutes, parce que je vois que les euh, pour ces trois cultures-là, euh, pour cette culture-là, donc pour le tournesol, si on récolte en novembre, vu qu'on peut pas le travailler en décembre, janvier, février, euh, le semis de novembre, c'est celui d'avril. Ça veut dire qu'on peut passer qu'une seule fois du radis. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas. Il suffit de réfléchir deux secondes. Hein, lisez bien ce que vous voyez à l'écran et vous verrez que vous pouvez pas vous tromper. Hein, donc, euh, le radis, c'est vraiment je sème, je récolte je sème, je récolte, etc. C'est un mois des cas. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le calendrier des cultures. Si vous voulez supprimer l'utilisation le... des saisons, eh ben en fait vous allez juste perdre ce calendrier et en fait ce sera un système qui ressemblera beaucoup à l'ancien, c'est-à-dire que vous allez semer un jour, vous allez dormir et vous allez récolter quelques jours plus tard. Avec malheureusement, euh, d'après ce que j'ai compris, alors ça j'ai pas testé encore, mais j'ai des viewers qui m'ont dit que euh, le temps ne passe pas aussi vite que dans farming 19 par exemple. Dans le farming 19, euh, quand on semait un champ, généralement trois quatre jours après on, on récoltait. Là, quand on sème un champ euh, il semblerait que ça soit vraiment... Euh, par exemple, si on sème quelque chose, euh, bah du blé, par exemple, bah en fait il semblerait qu'on ait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Euh, il semblerait qu'il y ait une dizaine de jours avant de pouvoir récolter. Quoi. Donc c'est deux fois plus long globalement que ce qu'on avait sur Farming 19. Donc voilà, moi personnellement, je moi je trouve très intéressant de jouer avec le calendrier des cultures. Euh, si vous jouez sans, vu que je le fais pas, je peux pas vous en dire plus. Là honnêtement, c'est à voir. Après, vous avez euh, la météo. Donc, dans Farming euh, 2022, elle est vachement plus poussée qu'avant. Euh, on se plaignait avant de jamais avoir de pluie, de pas avoir de changement de temps, etc. Là, la météo, elle évolue vraiment euh, tout au long de l'année. On va avoir un temps qui va être assez proche euh, bah, de ce qu'on est en droit d'attendre de la saison en question. Euh, si vous avez plusieurs jours, alors vous voyez que au cours d'une journée, euh, donc là, malheureusement, j'ai pas de jour hein, puisque mes mois ne durent qu'un seul jour. Mais si vous avez mis par exemple plusieurs jours par mois. Ben en fait vous allez voir l'évolution de la météo au fur et à mesure du mois en fait hein, donc là par exemple c'est sur une journée donc à 11 h il fait beau à midi il fait beau euh, on voit l'évolution du vent l'évolution euh, de la température et l'évolution du, du ciel de est-ce qu'il fait beau est-ce que c'est couvert etc voilà donc on peut anticiper euh, on sait par exemple que par, enfin on pourra savoir que tiens il va pleuvoir à partir de 16 h il faut que je récolte mes champs avant parce que à partir de 16 heures je pourrai plus voilà, donc euh, en fait il y, y a des choses comme ça qu'on va pouvoir faire euh, au niveau, grâce au calendrier. Donc il faut bien regarder la météo euh, quand on est euh, sur des périodes particulièrement pluvieuses. Bon. Ensuite, on a euh, cet onglet-là qui est un onglet extrêmement important aussi puisque c'est les prix de vente mais aussi la fluctuation des prix. Donc on a deux choses euh, sur cet onglet. -là. Le, la première chose c'est euh, le prix direct des, des objets. Donc par exemple le blé actuellement... Euh, il a ces valeurs-là. Toutes les flèches sont vers le haut, ça veut dire qu'il est en phase d'augmentation. Donc si j'attends un peu, le prix risque d'augmenter un peu. Et euh, donc pour chaque euh, point de livraison, on va dire, on va avoir une valeur. Ça, euh, on est habitué, c'était comme ça déjà dans les farming précédents. La grosse différence avec les farming précédents, c'est qu'avec le mode saison, eh ben, en fait, on peut afflécher une fluctuation des prix. Et là on va voir que la, les prix vont varier en fonction des saisons. Alors c'est un peu logique, c'est-à-dire que le blé se récolte à l'été, c'est évident qu'on va pas payer euh, notre blé au plus cher le jour où on le produit. Puisque il y en a plein. En, en, en schématisant, tous les agriculteurs sont en train de, de récolter leur blé, donc fatalement le prix du blé a, est, est au plus bas. Par contre. Euh, plus on va s'éloigner de la période de récolte et plus le, le blé, le prix du blé va augmenter. Donc en hiver, c'est la mauvaise période, il fait froid, etc. Il y a rien qui pousse. Hop, c'est là qu'on va vendre au plus cher. Voilà. Et c'est pareil pour euh, pour tout. Hein. On peut on peut trouver ça pour le prix de la paille, on peut trouver ça pour le pain, on peut trouver ça pour les gâteaux, on peut trouver ça pour le beurre. Et donc on voit que les dates vont varier en fonction euh, des produits. Hein. Tous les produits n'ont pas les mêmes dates de vente. Hein, donc euh, en fait c'est euh, voilà, il faut, il faut bien regarder en fait quand vous produisez quelque chose à quel moment il faut le vendre, donc il va falloir envisager du stockage, contrairement aux années précédentes où globalement on vendait euh, au mieux on espérait attendre une, une forte hausse. Mais sinon, ou alors on se notait un prix et puis on disait, bah voilà, moi je vais c'est à ce prix-là. Là, en fait, la meilleure option, ça reste de regarder le calendrier euh, des fluctuations saisonnières et d'essayer de vendre au plus haut à chaque fois. Et c'est là que vous allez vous faire le plus de bénéfices possible. Voilà, donc c'est très facile, hein, c'est ici en bas. Hein, on affiche la fluctuation des prix, euh, enfin les prix actuels comme ça, ou la fluctuation des prix, il suffit de cliquer dessus, et après, il suffit de cliquer sur la, la semence, enfin, sur le produit que vous recherchez, et vous aurez tout de suite les informations. Voilà L'onglet suivant, c'est l'aperçu des véhicules. Alors, l'aperçu des véhicules, ça vous permet au premier coup d'œil, notamment, de voir l'état d'usure de vos véhicules. Donc, ça, c'est très important. Et de savoir s'ils sont en location ou pas. Donc, globalement, ici, tout mon matériel est neuf. Hein, c'est une partie que j'ai lancée juste pour, la, pour les tutoriels. Donc, le, le matériel a zéro mois. Euh, il n'a pas encore travaillé. Donc, j'ai zéro heure de travail. Et euh, l'usure de mon matériel, et ben, elle est inexistante, puisque je n'ai pas commencé à... Euh, euh, comment à faire fonctionner mon matériel, donc du coup il n'est pas abîmé encore. Euh, je n'ai pas de location, donc si je prends un véhicule en location, il va apparaître là-dedans, enfin un matériel en location. Et ici c'est la valeur de mon matériel, c'est-à-dire que si je revends ma top liner, actuellement je vais la vendre 103 585 euros. Voilà, donc ça c'est au premier coup d'œil, ça permet de savoir quels sont les véhicules qui sont très endommagés, quel est le matériel qui est très endommagé, et d'aller le, le, le ramener et le réparer le plus vite possible pour éviter euh, des surcoûts. Ensuite. On a les finances, donc les finances, ben comme d'habitude, hein, on ne va pas s'étendre là-dessus, ça parle de lui-même. Donc tout en bas, on emprunte 5000 000 pour euh, augmenter les prêts, on rembourse 5 000 pour rembourser son prêt, euh, on peut aller jusque 500 000 euros de prêt, et si vous êtes aux alentours de 500 000 euros, vous allez payer aux alentours de 15 000 euros par an, c'est-à-dire environ 1500 euros par mois. Voilà. Donc ça, gardez-le bien à l'esprit. Euh, ça peut aider à démarrer puisque 1500 euros par mois, rien qu'avec l'émission, on peut se le rembourser assez facilement. Euh, donc emprunter 500 000 en début de partie, c'est pas forcément aberrant. Maintenant, il faut bien penser à rembourser parce que tous les ans, vous allez perdre 15 000. Et ça, c'est quand même pas anodin. Donc, du coup, à vous de voir comment vous abordez votre partie. Il est tout à fait possible de ne pas emprunter en fonctionnant avec les missions et en essayant de, bah, de vendre ses productions pour se payer du nouveau matériel et des nouveaux champs. Ou alors, si vous voulez accélérer, vous allez pouvoir emprunter, euh, lancer, par exemple, acheter des chaînes de production, lancer une production euh, ciblée qui va vous permettre de, euh, de gagner, assez, enfin, on va dire plus d'argent rapidement. Et de rembourser votre prêt euh, du coup plus rapidement, mais vous aurez perdu de l'argent entre-temps, euh, c'est-à-dire que ça aura un coût. Voilà. Donc vous avez ici toutes les chaînes, enfin toutes les lignes de votre budget, de vos finances. Euh, donc l'achat de nouveaux véhicules, la vente de véhicules, l'achat de bétail, la vente de bétail, etc., etc., etc. Donc en fait, à chaque fois que vous allez faire quelque chose, ça va venir se, se caler dans la case. Là par exemple, paiement des salaires 59 euros, ben, j'ai un tracteur qui a été emmené quelque part, j'ai une moissonneuse qui a travaillé un peu, donc j'ai déjà payé des, des salaires. Et comme euh, j'ai coché la case, le, enfin, j'ai pas touché en fait ces deux bases. Euh, euh, en fait, mes ouvriers, quand ils sont dans un véhicule, ils achètent le carburant, c'est-à-dire que le niveau de carburant du véhicule ne baissera pas. En fait, leur consommation de carburant est payée au fur et à mesure, hein, donc ils achètent du carburant au fur et à mesure, et euh, ils ne consomment pas actuellement de graines ou autre. Si par exemple je mets un ouvrier à semer, eh ben, en fait, mon semoir sera toujours plein à la fin, euh, parce qu'il aura acheté en fait, le grain au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, faites attention, si vous ne voulez pas que ça se produise comme ça, il faut bien penser à aller le décocher dans les options. On verra ça quand on sera aux options. Ensuite, on a euh, les animaux. Donc là, pour l'instant, j'ai pas encore d'enclos, donc c'est un peu compliqué d'en parler, mais globalement, c'est ici qu'on va pouvoir voir un petit peu tout ce qui se passe au niveau de nos animaux. Savoir s'ils ont à manger, s'ils sont capables de se reproduire, combien d'animaux on a et quel âge ils ont, euh, euh, leur prix de vente, leur prix d'achat, enfin, toutes les informations intéressantes, on les aura là. On y reviendra quand j'aurai euh, investi dans les animaux. Ici, on a les contrats, donc les contrats abusés en euh, des contrats, puisque euh, vous avez des, des, des contrats comme par exemple les contrats de récolte, euh, qui ont des doubles intérêts. Par exemple, si vous achetez le moulin à grains, tous les contrats de récolte, où on vous demande d'apporter le produit au moulin à grains, ben, en fait, vous allez avoir gratuitement le grain dans votre moulin. Ça paraît aberrant, mais c'est comme ça pour l'instant. Peut-être que ça changera. Je ne sais pas si c'est un bug, si c'est voulu, s'ils si ont laissé passer le truc sans s'en rendre compte, s'ils si vont le changer ou pas. Mais actuellement, si j'achète le moulin à grains, que je fais le contrat de récolte du champ 32, j'ai gagné 11 800 euros pour le contrat. Je vais gagner... Il euh, y aura en fait un surplus de grains. Parce qu'en réalité, il y a toujours un petit peu plus pour être sûr que la mission soit terminée. Donc il y aura un petit peu plus de grains qui restera que je pourrais euh, peut-être vendre ou faire ce que je veux avec. Hein. Mais surtout, si j'ai acheté le point de livraison euh, du contrat, eh ben le, le grain va arriver dans mon grenier du moulin à grains et va se transformer en farine que je pourrais vendre. Donc, je vais pouvoir vendre de la farine euh, faite à partir de grains que je n'ai pas achetés. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Gardez bien ça à l'esprit, c'est un, un bon petit truc. Pour, pour le début. Les contrats de récolte, ça va quand même assez vite. Euh, donc, tout ce qui est. Alors là, par exemple, c'est pour le moulin à huile. Ben, même combat, si vous avez le moulin à huile, là, vous allez produire de l'huile gratos. Euh, là, on va pour le moulin à grain et là, le moulin à grain. Donc là, par exemple, j'ai trois missions pour le moulin à grain. Si j'achète le moulin à grain, je sais déjà que ces trois récoltes-là vont aller dans mon moulin. Elles ne m'appartiennent pas et pourtant, c'est moi qui vais vendre ensuite euh, les palettes de farine. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant à savoir. Les missions d'épandage, elles sont extrêmement rapides à faire. Euh, moi je vous engage à acheter assez vite un petit épandeur comme ça, euh, ça permet d'aller très très vite et de faire des allers-retours dans les champs et de euh, dépendre. Euh, si vous pouvez, prenez aussi le petit réservoir en plus, comme ça vous avez largement de quoi faire. Ça coûte pas très cher, avec, euh, avec pas beaucoup d'argent, on arrive à avoir au moins ces deux outils-là, et ça permet de faire tous les contrats de pulvérisation, qui sont des contrats qui sont très très rapides. Alors. Chacun aborde les contrats comme il, comme il souhaite, hein, bien évidemment. Moi personnellement, je, ce, qui, ce que je regarde le plus, c'est pas forcément le prix, c'est le temps par rapport au prix. Par exemple, je sais que pulvériser un champ où je suis payé 968 euh, euros, c'est-à-dire un petit champ de 0,6 hectare, euh, ça va aller très vite. Hein. Je vais mettre euh, en moins de 10 minutes, c'est fait. J'ai gagné 1000 euros, quoi. Euh, en réalité, c'est vous qui payez les produits, hein, donc gardez bien ça à l'esprit. Euh, par contre, labourer un champ de, euh, je sais pas, de 10 hectares, euh, ça va peut-être être payé 15 000. mais en réalité, on va mettre tellement de temps à labourer que du coup, euh, ça va prendre des heures et des heures, et du coup, le, le rendement... Euh, pff, c'est vraiment trop long, quoi. Donc en fait, moi, je fonctionne comme ça. Je fais beaucoup les missions de récolte, particulièrement parce que en plus, c'est généralement rentable quand on a les, les moulins qui vont avec. Euh, donc généralement, je fais les missions de récolte, je fais les missions de pulvérisation euh, et dépandage. C'est le même outil. Hein. On peut tout faire avec le même outil. Il suffit de vider euh, ce qui reste dedans et de le remplir avec de l'herbicide. Donc ici, c'est de l'engrais et donc pulvérisation engrais, épandage, herbicide. Voilà. Et ça, ça permet bah, d'aller de, de, très vite et de gagner de l'argent très vite. Et ces, ces missions de pulvérisation, on en a euh, quasiment tous les mois. Ça veut dire que ça, vous allez pouvoir soit faire de la pulvérisation d'engrais, soit faire de l'épandage d'engrais. Dans les deux cas, vous allez aller très vite et vous allez gagner beaucoup d'argent. Il y a des missions qui sont pas mal payées quand même, hein, puisqu'il y a des grands champs. Les récoltes, donc comme je disais, c'est intéressant. Attention, ne faites attention de ne pas vous embarquer sur des récoltes très lentes. Je pense notamment aux pommes de terre et à la betterave, euh, qui sont des récoltes extrêmement longues à faire, puisqu'on travaille sur euh, moins de 4 mètres. Voilà, quelle que soit la machine. Si vous avez le matériel, tant mieux. Si vous n'avez pas le matériel, pardon, ils vous prêtent le matériel, et euh, le coût du prêt est tellement faible par rapport au... Au, au total là par exemple on va perdre 800 euros on va en gagner plus de 7000 euh, ça ça veut dire que vous allez faire un bénéfice de 7000 alors que si vous deviez acheter une moissonneuse spécifiquement pour cette mission là ça vous coûterait plusieurs centaines de enfin plus de 100 000 hein. donc euh, voilà c'est euh, louer le matériel au début c'est vachement intéressant alors pas de location au magasin parce que du coup après vous allez payer déjà vous allez payer une somme fixe à la location et après une somme tous les mois Là, euh, prenez cette location-là, c'est-à-dire vous empruntez les objets. Et l'avantage, c'est que vous allez les payer, euh, enfin payer cette location beaucoup moins cher. Et du coup, ben voilà, c'est vachement rentable, quoi. Donc si vous n'avez pas le matériel, vous louez. Si vous avez le matériel, vous emmerdez pas à louer. Euh, un contrat de récolte, c'est une récolte. On ne récupère pas la paille par terre ni rien. Il n'y a rien à faire. Donc du coup, euh, il vous faut juste la moissonneuse, la barre de coupe et euh, le tracteur avec l'armorque. Donc ça, vous lavez normalement de base, ce qui fait que tous les contrats de récolte euh, de base comme cela, vous pouvez les faire. Dès que ça va être des barres de coupe à maïs, ah bah, à vous de voir est-ce que vous achetez ou pas une barre de coupe à maïs pour faire de la récolte. Euh, dès qu'on entre dans les pommes de terre ou enfin dans des produits spécifiques, là, euh, je vous dirais, faites attention parce que ça va vous coûter très cher en matériel. Pour euh, est-ce que ça vaut le coup Je sais pas. Je pense que les missions de récolte betterave, patate, etc. Euh, je pense qu'il vaut mieux les faire. Alors soit soit si on aime ça. Soit euh, quand on a le matériel et qu'on est prêt à travailler, euh, voilà, on a, on a notre propre matériel, on va économiser sur le, sur le prix de récolte, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'était les contrats. Ensuite, on arrive sur euh, les chaînes de production. Donc ça, on fera, un, un, on en parlera spécifiquement quand ce sera le moment. Euh, donc ça va venir assez vite. Hein. Les statistiques de jeu. Donc ça, c'est propre à votre partie. C'est pas propre à votre compte entre guillemets. C'est-à-dire si vous avez fait 10 parties, chaque partie aura ses propres statistiques. On a euh, les paramètres du jeu, donc là on peut mettre le jeu en pause, ça permet euh, bah, par exemple de ne pas laisser le temps tourner si vous devez aller faire des courses mais que vous n'avez pas envie euh, euh, comment, de, de couper le jeu. Euh, ou alors si vous, votre téléphone sonne, vous êtes limite sur le temps, euh, on est presque à la fin de la journée, vous n'avez pas envie que ça passe au jour, au jour suivant, hop, vous mettez votre pause, vous répondez au téléphone, vous revenez, voilà, ça permet de ne pas euh, laisser le temps continuer à passer. Maintenant, en temps réel, honnêtement, à part si vous partez vraiment une heure ou deux, mais en, en général, ça va vite. Hein. Euh, le nom donc ça c'est le nom de votre partie euh, quand vous allez euh, donc voilà entrer un nom pour cette sauvegarde donc ça c'est si vous voulez changer le nom de votre partie euh, je sais pas euh, euh, partie euh, industrie, euh, partie euh, céréales euh, mettez comme vous voulez intervalle de sauvegarde donc toutes les 15 minutes hein, ma partie se sauvegarde automatiquement je peux augmenter ou réduire le temps euh, de cette sauvegarde je peux même le supprimer complètement auquel cas euh, ma sauvegarde ne se fera que manuellement. Euh, donc attention au plantage, puisque malheureusement il, y a, il arrive que le jeu plante. Échelle de temps, euh, donc ça de base, on est en x5. Euh, moi personnellement je préfère travailler en basse vitesse, c'est pas la peine. Enfin je préfère travailler, euh, généralement je travaille soit en temps réel soit en 0.5. Pourquoi Parce que de toute façon une fois que j'ai fini le temps je vais dormir et on se réveille le lendemain et on rattaque. Donc autant avoir un maximum de temps dans la journée. Donc je vois pas où est l'intérêt de multiplier le temps par 5. Euh, à moins de jouer vraiment en permanence sans jamais aller dormir. Mais euh, sinon j'en vois pas l'utilité. La difficulté économique vous pouvez la changer à tout moment. Donc, euh, ça se voit... Alors, vous pouvez voir directement sur les prix, par exemple, euh, ici. Hop, si j'affiche les prix. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas m'afficher mes prix Pourquoi est-ce qu'il m'affiche... Ah, parce que j'ai mis pause. J'ai oublié d'enlever la pause. C'est ça, voilà. Donc, les prix, hop. Donc là, par exemple, on a euh, les four... Donc, le blé vaut 838 euh, au fourrage et céréales sud. Donc, 838. Je vais dans les paramètres, je me passe en difficulté euh, normale, on était à 838, on est passé à 503. Je reviens ici, je passe en difficulté élevée, on est passé de 503 à 279. Donc, plus vous allez mettre un niveau de difficulté élevé, plus vous allez perdre, enfin, moins vous allez gagner d'argent. Et ça c'est hyper important. C'est-à-dire que financièrement votre ferme elle va avoir du mal à tourner facilement. Vous allez mettre beaucoup plus de temps à lancer votre ferme. Vous aurez beaucoup plus de mal à acheter du matériel. Par contre je serais tenté de vous dire vous aurez bien mérité ce que vous aurez. Donc euh, du coup euh, à vous de voir comment vous voulez jouer. Je pense que pour un débutant le mieux c'est de jouer en facile. Euh, si vous voulez pas vous prendre la tête, jouez en facile. Si vous voulez augmenter un petit peu la difficulté, corser un petit peu le jeu, passez en normal. Et si vraiment vous êtes des puristes, ben seulement à ce moment-là, jouez en difficile. Mais ne vous lancez pas en difficile. Si vous voulez explorer et découvrir le jeu rapidement, vous allez être déçu parce que vous n'allez pas progresser. Ça va être très long. Euh, ça, ça joue aussi sur les contrats. Euh, si on revient ici, qu'on se met en, en facile. Et qu'on va regarder les contrats. Ici, par exemple, le champ 48, ben, on va prendre le, le, plus, le plus cher. Donc, celui-là à 7.911 euh, crédits. Le champ 38 à 7.911 crédits. Si je change le niveau de difficulté en difficile, on passe de 7.911 à 6.500. C'est-à-dire que même les, les contrats, en fait, sont euh, payés beaucoup moins cher. Voilà. Donc, ça, faut bien le garder à l'esprit. C'est hyper important. Euh, si vous voulez euh, jouer, on va dire vraiment découvrir le jeu rapidement, pouvoir avoir une grande ferme rapidement, quitte à rendre le jeu peut-être plus dur après, euh, mais au démarrage, je vous conseille de rester en facile, histoire de rapidement avoir du matériel, des champs, etc., de ne pas vous ennuyer en fait. Et une fois que vous commencez à avoir suffisamment de choses à faire un peu partout, eh ben vous pouvez augmenter le, la difficulté euh, économique et rendre le jeu peut-être un petit peu plus lent, un petit peu plus difficile. Maintenant, c'est à vous de voir, encore une fois, c'est à votre main. Trafic routier, moi, je l'enlève. J'aime pas le trafic routier. Alors, ils l'ont amélioré dans le sens où les voitures roulent plus vite maintenant que les tracteurs. C'était pas le cas avant. Jusqu'à présent, quand on était en tracteur, on était généralement bloqué parce que les voitures roulaient moins vite. Je sais pas si vous imaginez le truc Donc là maintenant les, les voitures roulent enfin plus vite que les tracteurs, mais malheureusement, les voitures elles vous coupent la route, elles, elles grillent leur stop, elles. Enfin voilà, c'est une catastrophe. Euh, donc moi je préfère enlever le trafic routier. Alors oui, les maps sont plus tristes du coup, mais euh, en même temps ça me permet, euh, voilà, je ne cherche pas le côté simu. Donc ça c'est à votre main, vous faites ce que vous voulez. Euh, croissance saisonnière, c'est ici que vous allez pouvoir retirer. Donc je mets en pause. Hop, j'ai euh, comment J'ai le calendrier ici qui a disparu. Vous voyez, je n'ai plus. De croissance saisonnière, je n'ai plus euh, l'information euh, euh, que j'avais au début avec le calendrier. Alors, je retourne dessus. Hop. Voilà. Donc, non, il n'y a plus du tout, du tout de saison. Là, ça y est, c'est fini. Euh, alors, il y a toujours des saisons qui apparaissent à la météo. Hein, je ne sais pas pourquoi, mais euh, il n'y a plus du tout de calendrier de saison. Euh, on a toujours une fluctuation des prix qui ne veut absolument rien dire, puisque la fluctuation saisonnière n'existe plus, puisqu'il n'y a plus de saison. Voilà. Donc, du coup. Vous pouvez euh, bloquer la croissance saisonnière. Euh, moi personnellement, je la garde parce que je trouve que c'est quand même un petit plus euh, pour, le, pour le jeu, puisque on sème à des périodes, c'est un petit peu plus réaliste, on va dire. Jour par mois, c'est ce que je vous disais, vous pouvez aller de 1 jour à 28 jours. Alors j'ai dit 30, je me suis trompé, c'est 28, pardon. Voilà, mais on peut euh, augmenter le nombre de jours. Euh, le fait que si vous en avez besoin, ça sert à rien de mettre 28 jours par mois et d'avoir que un champ à travailler, et vous allez passer 28 jours d'affilée, vous allez devoir dormir 28 fois pour passer au mois suivant. C'est un petit peu inutile. Donc euh, mettez-vous en un jour quand vous n'avez pas beaucoup de boulot, puis au fur et à mesure que votre ferme va grandir, va bah, vous augmentez à deux jours, puis trois jours, etc. jusqu'à ce que vous soyez confortable pour le jeu. Mois visuel fixe, donc ça définit si un mois spécifique devrait toujours être visible désactivé pour un visuel dynamique. Donc en fait, euh, en gros le truc c'est que quand vous faites, euh, comment dire, en fait dans le mois il va y avoir des évolutions. Par exemple, euh, au début de l'automne, la, de, de bah, les arbres vont commencer à perdre leurs feuilles. Ça va pas être instantané. Et globalement, si vous mettez le mois visuel fixe, ça veut dire que vous aurez en automne les arbres ont plus de feuilles. Voilà. Euh, si vous mettez non. Ben, ça veut dire que le visuel du mois va évoluer c'est à dire qu'au début de l'automne ils auront encore des feuilles et à la fin de l'automne ils en auront plus voilà hein, donc en gros c'est il va y avoir une évolution graphique alors je ne sais pas mais je pense que ça doit consommer peut-être un petit peu de ressources à vérifier là c'est vraiment je m'avance peut-être hein, mais euh, à voir bon voilà ça sert qu'à ça la neige donc est-ce qu'on veut de la neige ou pas donc euh, oui euh, vous aurez de la neige, elle va tomber sur le sol, elle va, se, elle va créer une épaisseur et euh, les véhicules vont pouvoir la déplacer. Donc là on va pouvoir utiliser les lames pour chasser la neige etc. Euh, attention sur la neige, les véhicules vont avoir une moins bonne euh, direction. Culture et croissance, pareil. Donc ça, toujours pareil. Hein, tout ça, c'est je vous montre, mais bon, c'est tout est écrit. Il hein, y, y a juste à lire. Donc destruction des cultures, moi je mets non. Pourquoi Bah parce que euh, je trouve que leur destruction de culture n'est pas bien réalisée. En fait, c'est pas trop. Enfin, c'est de leur faute. Oui et non, mais en gros, les champs sur farming. Euh, pour ceux qui ont déjà joué, vous savez que quand vous récoltez un champ, bah, parfois vous êtes euh, en train de récolter avec votre lame de coupe et pourtant. Au-delà de votre lame de coupe, ça se récolte, c'est-à-dire que vous voyez que ça, ça disparaît parce que vous avez un effet de zone. Pourquoi Parce que, euh, en gros, il faut imaginer que les champs, ils sont maillés avec des cases, et les cases font globalement euh, un mètre de côté. Je schématise, mais c'est un peu ça. Ça veut dire que si jamais vous arrivez avec un tracteur et que vous vous rentrez dans le champ pour épandre, par exemple, et que du coup, ben, vous, vous, on ne voit pas ces cases, on ne voit pas euh, exactement euh, où est le début et où est la fin d'une case. Et si vous êtes en train de rouler dans le champ et que vous écrasez les cultures et que vous êtes à cheval sur deux cases, ben en fait vous allez écraser sur deux mètres avec la roue gauche et sur deux mètres avec la roue droite, ce qui fait que globalement vous avez plus d'herbe, vous avez enfin, vous avez plus rien en dessous de votre, de votre tracteur. Alors que normalement vous auriez dû avoir que les traces de roue. Et là non, ça sera pas le cas. Vous allez vraiment perdre tout. Amusez-vous, faites le test. Euh, moi, le test que je fais, c'est je prends un champ en diagonale. Vous prenez un champ en diagonale avec l'écrasement des cultures et vous allez voir que vous allez perdre 80% de ce qui est planté. Donc c'est... Euh, en fait, si on fait l'écrasement des cultures dans l'axe nord-sud-ouest-ouest, ça passe à peu près. Si vous n'êtes pas dans un axe parfaitement nord-sud ou ouest-ouest, c'est mort. Et le pire, c'est quand vous êtes dans votre champ et que vous, vous vous déportez très légèrement, vous allez fatalement écraser les cultures sur deux rangs, euh, sur deux cases, et en fait, ça va être... Il euh, y aura plus rien. Donc comme c'est pas très bien réalisé, comme c'est pas réellement lié à la largeur des pneus, mais à une physique qui est assez... Euh, euh, je vais dire discutable, c'est pas le propos. C'est, je pense que leur moteur est pas capable de faire mieux. Voilà. Je pense que le problème est là. Donc du, et puis peut-être que les PC seraient pas capables de faire tourner le jeu s'ils si en mettaient plus, hein, aussi, Il hein. Faut... Faut, aussi garder le, le... ça à l'esprit. Toujours est-il que moi, je préfère enlever le... la destruction des cultures. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez le garder ou l'enlever, c'est à vous de voir. Labourage périodique. Moi, je le mets parce que justement, c'est amusant. Euh, en gros, tous les X temps, euh, vous allez devoir relabourer votre terrain. Ça veut dire qu'en gros, la première année, on laboure. Euh, la deuxième année, vous êtes généralement pas obligé. La troisième euh, récolte, il me semble que ça passe. Enfin, en gros, vous allez labourer tous les trois ans. Hein, il me semble de tête. Donc, ça vous oblige à labourer. Après, le labourage peut être fait avec les décompacteurs. Ça marche très bien et c'est pris en compte. Pierre dans le champ. Moi, je l'aimais. J'aime bien ça. C'est une des nouveautés du jeu. Euh, en gros chaque fois que vous allez travailler la terre, c'est-à-dire vraiment euh, la, avec un cultivateur, avec euh, une charrue ou d'autres euh, éléments qui vont vraiment dans le sol, vous allez faire remonter des pierres à la surface. Donc euh, les pierres, a priori d'après ce qu'on m'a dit, parce que j'ai pas fait attention jusqu'à présent, mais enfin, d'ailleurs je les enlève en fait, donc je ne me rends pas compte, mais en gros si vous laissez les pierres dans les champs et que vous travaillez vos champs, vous allez abîmer plus vite vos outils, ça les endommage plus vite. Euh, et selon l'outil que vous allez utiliser, vous allez avoir plutôt des grosses pierres ou plutôt des petites pierres. Donc plus les pierres sont grosses, plus les dégâts seront forts. Et euh, plus les pierres sont grosses, plus vous allez en, en avoir beaucoup quand vous allez récolter euh, avec votre machine à pierre Voilà, la, récol la récolteuse de pierres. Donc moi je les mets, si ça vous, ça, ça vous énerve, il suffit de le décocher. Euh, si vous en avez trop, bah, vous décochez pendant quelques temps. Et puis après quand vous voyez que votre stock de pierres diminue, hop, vous, vous réaugmentez, vous faites comme vous voulez, vous gérez comme vous voulez. Les pierres, faut reconnaître que... Euh, on fait que ça hein, dans ramasser puisque euh, quand on travaille un champ entre le labour le, le fait de cultiver derrière si vous faites comme moi vous faites du radis ça veut dire que je laboure le champ j'ai des pierres je cultive le champ j'ai des pierres je sème je récolte je euh, euh, comment je recultive le champ j'ai de nouveau des pierres je sème du radis je recultive pour rentrer le radis dans le sol, j'ai des pierres, je sème de nouveau du radis, je recultive pour récupérer le radis, euh, enfin pour remettre le radis dans le sol j'ai encore des pierres, enfin vous voyez, des pierres on va en ramasser vraiment beaucoup, hein. l'autre jour en live il y a quelqu'un qui me disait, on dirait que tu fais que ramasser des pierres, et c'est vrai que c'est un peu le cas euh, donc dès le départ si vous pouvez acheter dès que possible la grande ramasseuse, vous allez voir elle, est, elle travaille un peu plus large, elle est bien dans l'axe du tracteur, ça rend le ramassage des pierres beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace qu'avec la petite machine qui est sur le côté, laquelle vraiment pas pratique. Ensuite, requise oui ou non, pareil, si vous, avez besoin de, si vous mettez oui régulièrement, vos champs auront besoin de chaud. Euh, si vous mettez non, euh, vous n'aurez pas besoin de chaud, ça, ça, ça ne rentrera pas en compte dans le calcul du rendement. Les mauvais, mauvaises herbes, oui ou non, pareil. Euh, si vous mettez oui, eh ben, il y a des mauvaises herbes qui peuvent apparaître dans vos champs, euh, pas la première année en général, mais à partir de la deuxième année, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous cultivez vos champs, quand vous passez la charrue, euh, les mauvaises herbes derrière ne poussent plus pendant à peu près un an vous êtes tranquille si par contre vous ne cultivez pas euh, donc par exemple la deuxième année là vous allez avoir les mauvaises herbes qui vont commencer à apparaître donc il faut bien les, tra les, les traiter tout de suite donc soit vous passez la sarcleuse et ça élimine les mauvaises herbes directement quand elles sont petites soit les mauvaises herbes poussent trop vite hein, si vous avez oublié de les traiter ou voilà et à ce moment là les mauvaises herbes vont devenir trop grandes pour être traitées avec une sarcleuse et vous allez devoir passer un herbicide qui va réduire euh, la le, le, le rendement de vos champs. Voilà, donc il faut savoir que euh, l'herbicide a un effet négatif sur les champs. Ensuite, les salissures. Bon, ben, standard, euh, rapide ou lente, enfin, euh, non ou lente, voilà, c'est à vous de voir. Euh, donc en gros, ben, ça va vous permettre de laver vos tracteurs ou pas, hein, globalement. Et puis de mieux voir ou pas à travers les fenêtres. Démarrage automatique du moteur, donc ça c'est pareil, c'est vous qui voyez. Euh, soit vous mettez un démarrage automatique, c'est-à-dire que quand vous montez dans le tracteur, le moteur tourne, quand vous descendez du tracteur, le moteur s'arrête. Problème si vous jouez tout seul, euh, quand vous avez une moissonneuse euh, qui doit vider dans un tracteur, il faut être dans la moissonneuse en permanence, sinon euh, la moissonneuse arrête de vider. Il faut que le moteur de la moissonneuse tourne pour que la vis sans fin amène le grain au bout du de la buse et que la buse euh, fasse couler dans la remorque. Donc, si vous mettez le démarrage automatique du moteur sur non, ben, en fait vous démarrez votre moissonneuse, vous allez dans le tracteur et votre moissonneuse elle tournera, euh, elle fera le plein. Voilà. Donc ça après c'est à vous de voir. Euh, c'est plus réaliste de, de le mettre en manuel. Vous pouvez le mettre en automatique, c'est vous qui voyez. Freinage stop and go. Euh, donc en gros vous freinez, euh, donc en maintenant le frein enfoncé, donc ça freinez et automatiquement reculer quand vous êtes à l'arrêt. Ou alors vous, ne, vous le désactivez et dans ce cas-là, vous freinez, ça va arrêter votre véhicule, il faut relâcher le frein et de nouveau enclencher le frein pour faire la marche arrière. Voilà. Donc ça c'est la différence entre les deux. Euh, avec le freinage stop and go, non, vous avez moins de problèmes, enfin on a l'impression d'avoir moins le problème des, des bobcats. Alors il y a un problème sur les bobcats, mais pas que. Hein ou, en fait, quand on accélère lentement, alors, vous savez, quand vous, vous manipulez des palettes hein, avec un bobcat, hein, bah, ben vous êtes obligé de faire des accélérations lentes pour aller vers la palette parce que sinon on défonce tout, enfin, voilà. Et le problème, c'est que bah, régulièrement, quand on accélère doucement ou qu'on fait la marche arrière doucement, eh bah, ben en fait le bobcat fait le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu de se mettre en marche avant ou en marche arrière, il fait l'inverse. Autrement dit, vous voulez avancer tout doucement vers la vers la palette et votre bobcat fait un bond en arrière, ou à l'inverse, vous voulez reculer, vous venez de lever légèrement votre palette, vous voulez reculer tout doucement pour pas toucher les palettes qui sont autour, et là hop, votre bobcat il va faire un bond en avant. On, on a testé, on a l'impression. C'est une impression, c'est peut-être le cas, c'est peut-être pas le cas, qu'on a un peu moins le problème quand on, on, stop, on, on arrête le stop and go. Voilà. Donc, euh, à vous de voir, faites le test. Si vous avez trop ce problème de bon en avant quand vous appuyez lentement, quand vous accélérez lentement, euh, essayez de le passer sur long, vous verrez bien si ça marche ou pas. Limite de remplissage de la remorque. Alors, ça, c'est un détail. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront pas fait attention à ça, qui l'auront peut-être activé sans savoir ce que c'est, et qui, vont, qui comprendront peut-être pas ce qui se passe. Donc en fait les, les remorques elles ont deux valeurs elles ont une valeur en volume et elles ont une valeur en masse c'est-à-dire que votre comme dans la vraie vie en fait une remorque elle est capable de recevoir un certain volume puisque sinon au-delà de ce volume là ça va déborder hein, c'est du bon sens mais elles sont, elles ont une capacité en poids au-delà du poids la remorque elle a été conçue pour tenir un certain nombre de tonnes si vous en mettez plus forcément la remorque ne pourra pas tenir le, le, la masse c'est ici que ça se gère donc si vous mettez limite de remplissage de la remorque non en fait, votre remorque se remplira toujours au volume. Donc une fois qu'elle sera pleine, pleine, elle arrêtera de, on arrêtera de remplir. Autrement dit, si elle a une capacité de 10 000 litres, eh ben vous mettrez toujours 10 000 litres dedans. Si vous mettez oui, ben là, votre remplissage de remorque sera basé sur le poids maximal que peut porter la remorque. Ça veut dire qu'avec certains produits, vous allez pouvoir passer les 10 000 litres, parce que les produits ont une densité faible. Avec d'autres produits, je pense notamment aux cailloux. Eh ben vous n'allez pas pouvoir atteindre les 10 000 litres parce que les cailloux étant trop lourds, ils vont atteindre la limite max de poids de la remorque, et au lieu d'avoir 10 000 litres, vous aurez peut-être que 7500 litres. Voilà. Hein, donc ça, si c'est activé ici, vos remorques ne se rempliront pas au volume, mais se rempliront au poids. Consommation de carburant, donc pareil, on a faible, on a par défaut, on a élevé. Euh, C'est à vous de voir. Euh, moi, je l'ai mise en faible parce que je trouve que la consommation me paraît exagérée. Euh, maintenant, je sais pas. Je travaille pas dans le milieu agricole, mais là, on dirait vraiment que les réservoirs ils se vident euh, à vue d'œil, quoi. Donc, euh, du coup, moi, je l'ai mise en faible. Euh, les ouvriers IA, donc ravitaillement ouvrier, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là par exemple carburant, graines, engrais, lisier et fumier, ben, quand les ouvriers travaillent, ils l'achètent. Si je mets sur nom, ben, en fait ils vont utiliser le carburant qui est dans le tracteur, quand il n'y en a plus, ben, ils vont s'arrêter. Euh, pareil pour les graines, hein, si euh, si par exemple ils sont en train de semer, euh, ils vont arrêter de semer quand ils auront plus de graines, euh, engrais, etc. ça va être pareil. Euh, donc c'est soit on l'achète, soit on travaille avec ce qu'il y a dans la machine, c'est à vous de voir, euh, c'est à votre main. On va essayer de terminer, on est à 47, allez je pense qu'on essaye de finir tous les, tous les onglets aujourd'hui. Donc euh, paramètres généraux fenêtres d'aide, c'est toutes les fenêtres qui s'ouvrent quand on débute le jeu, euh, et tous les points d'exclamation qu'on a un peu partout qui vous rappellent que quand on passe dedans, que là on peut faire ci, que là on peut faire ça, etc. Si vous mettez non, vous les faites tous disparaître, si vous mettez oui, vous les faites tous réapparaître. Voilà. Euh, mode daltonien, donc ça ça change les couleurs de l'état des champs et des cultures sur la carte afin qu'elles qu soient plus faciles à distinguer pour les personnes daltoniennes. Donc si vous n'êtes pas daltonien, vous n'en avez pas besoin. Euh, traceur de zone interactive, donc affiche le marquage jaune et noir autour des zones interactives. Donc ça c'est euh, les points de chargement. Euh, je vais regarder si je peux vous en montrer une. Euh, ici, il doit y en avoir. là-bas je suis pas sûr mais là c'est sûr qu'il y en a une. Voilà. Donc le marquage jaune et noir, c'est ça en fait. Donc là on le voit, normalement si j'enlève le marquage des zones interactives. Voilà, là je le vois plus. D'accord Donc moi je vous conseille de le laisser en tout cas au début parce que ça permet de ne bah, de pas amener le tracteur ici et croire qu'on est dans la zone quoi. Voilà. Donc le fait de les mettre au sol en plus c'est pas aberrant parce que dans la vraie vie il y a beaucoup de marquages de ce type là au sol. Euh, donc, ça c'est fait. Déclencheur d'infos. Donc, ça affiche les déclencheurs d'infos qui vous fournissent des informations utiles sur les éléments importants du jeu. Pareil, hein, c'est quand vous débutez, c'est bien. Mais quand vous les avez euh, trop vus, quand vous en avez marre, vous les mettez sur nom. C'est ces fameuses bulles d'aide hein, qui vous donnent des informations euh, sur la map, etc. pour vous aider à débuter. Information de champ. Ça, par contre, c'est intéressant. Alors, si vous le mettez sur nom, bah, vous aurez rien. Si vous le mettez sur oui, euh, quand on arrive dans un champ. Hop. Euh, voilà, donc là par exemple, en bas à droite, il y a marqué le champ il est possédé par moi, euh, c'est du blé, il est, là ici il est récolté, yep. là ici il est prêt pour la récolte, le bonus de rendement est de 23%, il est fertilisé à 0%, euh, il y a des mauvaises herbes euh, qui sont en train de pousser, il a besoin de chaud et il doit être labouré. Voilà, si j'enlève l'information de champ, bah ben là j'ai rien. Voilà. Donc, ça c'est à vous de voir. Moi je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir l'information quand on est dans un champ. Euh, les unités, donc vous choisissez ben, euro, livre euh, ou dollar. Voilà. Unité de mesure, ben, le kilomètre ou le miles. Euh, la température Celsius ou Fahrenheit. Euh, les unités de surface, l'hectare, les acres. C'est à vous de voir si vous voulez de l'anglo-saxon ou de, du métrique. Les radios, bon bah si vous écoutez de la musique dans le jeu, vous pouvez activer euh, la radio, vous pouvez euh, activer la portée de radio, est-ce que vous allez l'entendre uniquement dans les véhicules, ou alors est-ce que vous l'aurez toujours la musique, ça à vous de voir. Euh, moi j'utilise ma propre musique, donc je n'utilise pas les radios. Euh, les caméras, donc hop, réinitialiser les caméras du véhicule, donc ça mémorise le type de vue du véhicule lorsque vous le quittez, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va euh, revenir sur le véhicule, on aura la caméra au même endroit. Euh, pour chaque véhicule. Suspension de la caméra intérieure. Donc, quand vous l'activez la caméra intérieure, suit les mouvements de la suspension du siège et donnera un effet plus réaliste. Euh, c'est un peu vomitif, je crois, si mes souvenirs sont bons. Caméra dynamique du véhicule. Donc, maintient la vue du véhicule à l'horizontale. Euh, c'est un peu l'inverse hein, de la suspension de la caméra intérieure. Et inverser l'axe y. Donc, ça, c'est quand vous êtes avec votre souris dans le véhicule et que vous voulez regarder autour. Et ben, en inversant l'axe y, votre euh, souris devra faire les mouvements inverses pour regarder en haut et en bas. Commande du périphérique d'entrée, donc commande de bras simplifié, activer commande simplifiée les pour les grues. Bon ça de toute façon tout est écrit. Hein. Sensibilité de la caméra, sensibilité du bras du véhicule, vitesse de retour des roues. Alors ça c'est surtout si vous avez des problèmes, si vos roues reviennent trop vite par exemple. Ben, dans ce cas là, vous réduisez cette vitesse de retour des roues et, euh, et vous aurez vos roues qui reviendront euh, plus lentement euh, et ça vous permettra de... Alors si vous mettez 0, vos, vos, vos roues ne reviennent pas. C'est à dire que si vous mettez, vous braquez à de, de 10 degrés à gauche, elles resteront tout le temps braquées, quoi que vous fassiez. Donc il faudra redresser les roues manuellement. Hein, donc ça c'est important de, de le comprendre. Euh, donc sensibilité de la direction, c'est pareil, hein, c'est en fonction euh, si vous voulez adoucir ou pas, euh, c'est là. Changement de direction automatique, donc ça définit si le changement de direction d'un véhicule est automatiquement activé ou manuellement en appuyant sur une touche. Euh, donc ça honnêtement j'ai du mal à. j'ai pas essayé en fait. Bon, ça je sais pas ce que c'est. Mode de changement de vitesse automatique, donc ça c'est pour si vous voulez les changer manuellement ou si vous avez un levier de vitesse ou vous voulez appuyer sur une touche. Euh, valeur d'affichage du compteur de vitesse. Alors est-ce que je suis en bas Ouais, ça y est je suis en bas. Donc c'est la vitesse du moteur ou la vitesse du véhicule. Hein, donc c'est à vous de choisir euh, euh, quelle est la valeur qui est affichée. Euh, passer au train donc ça, ça ça vous permet en fait quand vous passez d'un véhicule à l'autre bah, lorsque vous avez choisi un train vous avez loué un train vous allez pouvoir rentrer dans le train euh, directement c'est à dire que vous allez faire euh, je sais pas tracteur 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 moissonneuse moissonneuse ensileuse euh, »,« train d'accord si vous mettez non bah, en fait vous ferez euh, tracteur 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 moissonneuse moissonneuse ensileuse »,« tracteur 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 etc vous ne repasse, vous repasserez pas par le train périphérique d'entrée de l'aide donc choisissez le périphérique qui sera affiché par défaut euh, donc c'est soit auto, soit clavier, soit manette. Donc ça c'est à vous de voir. Moi je mets auto. Euh, L'avantage de auto c'est que si vous êtes sur votre votre volant par exemple, ben, il bascule. Vous faites un, un mouvement, vous vous faites n'importe quelle manœuvre de, de, du volant, il basculera l'aide avec les touches du volant. Euh, si vous faites euh, une touche du clavier ou que vous bougez la souris, il va basculer sur le, le clavier. Je trouve ça assez pratique de pouvoir basculer de l'un à l'autre. Donc voilà. Le son donc volume euh, global du jeu, euh, c'est le master en fait. Volume du véhicule, vous pouvez l'augmenter, le baisser, ça va être que le bruit de votre véhicule. Euh, volume de l'environnement, donc ça c'est les, les bruits d'ambiance qu'on a tout autour. Volume de la radio, bah si vous écoutez la radio, vous allez pouvoir le gérer ici. Et volume de l'interface graphique, c'est les bip-bip qu'on entend hein, quand je bouge des trucs, euh, ça se règle ici. Ici on a la liste de toutes les touches, il y en a beaucoup beaucoup beaucoup. J'attire votre attention sur le fait que vous pouvez basculer sur manette ici en bas et sur clavier ici en bas. Voilà. Hein, ça vous permet, il euh, y a, a peut-être des gens qui n'ont pas vu ce petit truc en bas et qui se disent merde je trouve pas mon joystick, ben, en fait il est là, hein, il suffit de cliquer là et vous allez avoir toutes vos manettes qui vont apparaître ici. Ensuite, ce truc-là, l'assistance, je vous engage à prendre le temps de la lire. Il y a énormément d'informations, notamment au niveau des, bah, des différentes étapes, notamment à l'amélioration du rendement. Euh, par exemple le plombage je savais pas ce que c'était, j'en avais jamais entendu parler et il euh, y a un viewer qui m'a dit euh, ah bah c'est parce que t'as pas lu c'est écrit et je suis allé voir et effectivement c'est écrit euh, ça explique exactement à quoi ça sert, pourquoi on en fait voilà donc euh, vous avez toutes ces informations ici, je vous engage à aller les lire vous allez apprendre peut-être des trucs et surtout ça va vous permettre de savoir euh, bah, en fait voilà ce que vous allez faire ou pas euh, au niveau de votre euh, euh, de votre ferme. Donc voilà, on a plein plein d'informations à tous les niveaux. Euh, je vous, je vais pas tout lire, bien évidemment. Donc je vous laisse regarder. Euh, vous avez beaucoup de réponses à vos questions là-dedans, je pense. Hein. Donc il euh, n'y a pas beaucoup de texte, hein, ça va vite à lire. Hein. Donc euh, honnêtement, vous embêtez pas. Euh, Allez-y, vous faites le une bonne fois pour toutes. Vous aurez au moins tout vu une première fois. Puis après, vous allez vous dire ah putain, sachez, il me semble que je l'avais lu. Et vous pourrez revenir quand vous en aurez besoin pour retrouver la la bonne info. Voilà. On est à 55 minutes, on a fait tous les menus, on a totalement terminé les menus, donc maintenant on va pouvoir euh, jouer, donc on verra ça dans le prochain euh, tuto, on va commencer à s'attaquer au champ. Allez, amusez-vous bien, bon jeu, je vous dis à bientôt peut-être sur Twitch en live, hein, sur Farming, et sinon bah, à la prochaine. Allez, salut <truits>